Horoscope chinois du jour samedi 20 mai. Horoscope rat. Amour. D'une manière générale, cette journée ne vous sera pas follement favorable côté vie à deux. Elle promet au moins des moments heureux, de la tendresse, du rêve. Vous devrez pourtant résister à la tentation si violente de ne faire qu'un avec votre bien-aimé, au risque de perdre votre identité propre dans l'aventure. Célibataire, préparez-vous à vivre un grand amour. Vous avez beau être indépendant, vous ne pourrez pas esquiver la flèche de Cupidon qui viendra vous frapper en plein cœur. Argent. Grâce à l'astre Ongloine, vous saurez apprécier la présente accalmie sur le front financier et la mettre à profit pour régler vos derniers reliquats de dettes et repartir sur des bases solides, animées de bonnes résolutions. Fini les découvertes sauvages et les dépenses inconsidérées. Pour vous aider dans ce sens, pourquoi ne pas prendre rendez-vous avec votre banquier, histoire d'étudier avec lui les différentes possibilités d'optimiser votre gestion ? Santé. Journée tranquille sous l'influence de la planète Oaké en aspect paisible. Vous vous sentirez en excellente forme physique. Vos fonctions de digestion et d'assimilation seront facilitées par la décontraction que vous affichez. Mais pour cela, il faudrait que vous ralentissiez un peu vos activités professionnelles. Travail. Pour l'instant, le travail restera pour vous synonyme de chaîne. Vous n'aurez pourtant rien à redouter des techniques nouvelles, qui s'avéreront une belle opportunité de vous mettre en valeur. Citation. Un célibataire est comme un bâton nu, il se mêle de toutes les mauvaises affaires. Horoscope buffle. Amour. Votre cœur fera des vagues aujourd'hui, passant d'un extrême à l'autre. Vous aurez le plus grand mal à trouver votre point d'équilibre en couple. Mais il suffira d'un peu d'ordre et de compréhension de la part de votre conjoint ou partenaire pour que tout s'arrange. Célibataire, avec la planète Tiandong, la déesse de l'amour, en visite chez vous, votre charme sera en hausse et vous n'aurez aucun mal à séduire qui vous voudrait. De plus, votre sensualité, elle aussi plus intense que d'habitude, vous donnera envie de profiter des plaisirs de l'amour. Argent. Ce n'est pas cette fois que vous serez tenté de vivre au-dessus de vos moyens. Vous pourriez même obliger vos proches à limiter les dépenses superflues, histoire de préserver l'équilibre du budget familial. Et, comme vous recherchez toujours l'excellence dans tout ce que vous entreprenez, vous vous arrangerez pour gérer le mieux possible votre situation matérielle. Santé. Bonne résistance de fond. Protégé par l'astre Tianqi, vous serez la plupart du temps en grande forme physique et morale. Mais attention, Tianqi rend un peu trop optimiste et bon vivant. Si vous cédez à la gourmandise, vous n'échapperez pas à la crise de foie. Travail. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, telle devra être votre devise en cette journée, où prédominera l'influence de l'astre Tamlang. Mais vous ne connaîtrez le succès dans le travail que si vous savez rester assez lucide pour ne pas confondre audace et témérité. Horoscope Tigre. Amour. Beau fixe sur votre couple, avec des relations placées sous le signe de la tendresse et du partage. Disponible et à l'écoute l'un pour l'autre, vous ne chercherez qu'à vous faire mutuellement plaisir, vous offrir un voyage, un pied-à-terre pour les vacances, ou vous marier, si ce n'est pas déjà fait, tout reste ouvert. Pour les célibataires, il y aura de la romance dans l'air. Le souffle romantique de l'astre Tianfuk vous réchauffera le cœur et le corps. Argent. Avec la présence de l'astre Fionkak dans votre ciel, ce sera sans doute le début d'une période de vache maigre. Vous ne risquez certes pas une catastrophe, mais vous devez vous attendre à voir vos revenus se stabiliser ou même diminuer. Vous vous en sortirez bien si vous faites un effort d'organisation et d'économie. L'ennui, c'est qu'avec cet aspect de l'astre Tiankong, vous serez fort tenté de vivre au-dessus de vos moyens. Essayez de vous contrôler afin d'éviter d'être surendetté. Santé. Votre état physique général sera bon. Mais malgré cela vous ressentirez de petits malaises, provoqués principalement par une nervosité excessive. Ménagez-vous du temps pour faire un peu de jogging tous les jours? Ce sera une façon idéale de gommer ces maux. Travail. La planète Tianlong influencera votre ciel et renforcera votre besoin d'action. Vous reprendrez des projets abandonnés, et vous vous démènerez pour les faire aboutir. Les résultats ne se feront pas attendre. Horoscope chat. Amour. Votre vie conjugale sera suffisamment épanouie, grâce aux bons influx de l'astre Fengkao. Montrez-vous cependant mieux attentionné à l'égard de votre conjoint ou partenaire. Faites preuve de davantage de patience, car tout le monde n'a pas forcément envie de vivre à votre rythme. Nombre de célibataires pourraient se laisser cette fois séduire, à leur corps défendant, par une personne à qui de prime abord ils n'accordaient aucune attention, et trouver finalement en elle le compagnon idéal, la compagne idéale. Argent. La planète Tasseur en bel aspect apportera aux natifs du signe la certitude d'une vie matérielle sans souci et même très confortable.
Seuls ceux qui sont d'une année feu pourront avoir quelques problèmes concernant le patrimoine, les héritages et les successions, mais ils sauront défendre leurs intérêts avec ténacité. Santé. Les astres Ongloan et Tianqi vous inculqueront leur énergie et la planète Oakoa, sa joie de vivre. Difficile de rêver mieux. Il vous restera à prendre soin de ce précieux capital, en respectant un bon équilibre de vie et en vous ressourçant surtout au contact de la nature. Si des blocages liés à votre passé vous freinent dans votre progression ou vous énervent, l'astroalogue devrait vous soutenir. Travail. Vu les turbulences de l'astre Van Kuuk, vous aurez pas mal de problèmes avec votre entourage professionnel. Certains collègues vous jalousent terriblement. Agissez sagement, en ne laissant personne vous nuire. Horoscope Dragon. Amour. Un excellent climat de belle complicité s'installera ou se renforcera entre vous et votre conjoint ou partenaire. Vous posséderez l'art de le surprendre agréablement. Vous inventerez mille et une fantaisies pour le satisfaire. Et vous vous amuserez follement tous les deux. Les célibataires du signe penseront davantage aux distractions qu'aux amours sérieuses. Pourtant, ils aimeraient changer beaucoup de choses dans leur vie sentimentale et chercheront bien loin l'âme sœur que, pourtant, ils auront à portée de main. Argent. Côté argent, tout ira bien si vous restez raisonnable. L'ensemble des influences planétaires de la journée sera plutôt positif, et vous ne devriez donc pas avoir de soucis majeurs. Mais vous aurez toutefois intérêt à tenir compte de l'influence de la planète Dovyong, elle risque en effet de vous valoir une période de relative stagnation. Ce ne sera donc pas le moment de vous lancer dans des achats ruineux, ni surtout de vous endetter. Santé. Vous serez favorisé sur le plan de la santé, et c'est ce qui devrait vous guider. Adonnez-vous à un sport ou pensez à faire quelques exercices physiques tous les jours. Travail. Vous ressentirez nettement une hostilité de la part de vos collègues de travail. Mais vous saurez y faire face le plus aisément du monde, en vous comportant normalement, comme si elle n'existait pas. Horoscope Serpent. Amour. Aucune planète ne viendra influencer votre vie conjugale, qui se déroulera en principe sans histoire. Si vous la trouvez trop banale et que la monotonie ambiante vous pèse un peu, c'est dans les loisirs que vous devrez rechercher d'autres sources de satisfaction. Célibataire, vous serez sujet à des emballements passagers. Vous aimerez, mais ensuite vous brûlerez ce que vous avez adoré. Votre comportement aura aujourd'hui une dominante passionnelle. Vous aurez intérêt à la maîtriser, car elle pourrait vous apporter plus d'ennui que d'agrément. Argent. L'astre Mokduk en aspect disharmonique ne sera guère favorable à la prospérité. Limitez au maximum les risques financiers, en maîtrisant vos envies d'achat et en refusant les opérations trop risquées. Santé. Deux planètes assez difficiles à vivre vont influencer votre secteur santé, les planètes Daoa et Khanfu. Surtout, ne dramatisez pas, vous ne risquerez aucune maladie grave. Mais mettez-vous tout de même dans la tête que votre légendaire vitalité sera un peu en berne cette fois-ci. Ménagez-vous, dormez davantage et mangez léger. Travail. La journée se déroulera sans heurts dans votre travail. Vous n'aurez sans doute pas grand-chose à faire, et vous vous contenterez d'expédier sereinement des tâches plutôt routinières. Horoscope Cheval. Amour. Sous l'influence de Waki, la planète de la chance, vous aurez droit cette fois à une vie conjugale très sereine. Vous retrouverez une véritable complicité avec votre conjoint, et la joie de vivre régnera à nouveau au sein de votre couple. Célibataire, avec cet aspect de l'astre Fakan, vous aurez droit à une certaine animation dans votre vie amoureuse. Cette journée vous réservera sans doute une bonne surprise. Pour une fois, laissez-vous aller à vos désirs et vivez au jour le jour sans vous demander ce que l'avenir vous réserve. Argent. Attention à Dovyong. Cet astre, qui a en général un impact assez délicat sur le plan financier, influencera votre ciel. Voilà qui devrait vous inciter à la prudence. Mieux vaudra éviter les dépenses inutiles et faire quelques économies. Votre prochaine fin de mois risque d'être plus difficile que prévu. Alors, prenez vos précautions. Santé. La planète Ongloan bien aspectée vous donnera un dynamisme du tonnerre. Vous adopterez un rythme d'enfer. L'action sera votre drogue, et vous entraînerez dans votre sillage votre entourage familial et professionnel, qui essaiera, tant bien que mal, de suivre. Travail. Votre vie professionnelle sera dans l'ensemble protégée. Mais vous passerez par une phase de relative indifférence. Vous exécuterez consciencieusement votre travail, sans plus. Horoscope Book. Amour. Que d'occasions de rencontres et d'aventures sentimentales aujourd'hui. Vous ne saurez plus où donner de la tête et serez confronté à l'embarras du choix. Les célibataires seront particulièrement à la fête, et ils n'auront pas peur de tomber amoureux. Tous les prétextes seront bons pour devenir les donjons ou les messalines.
Bref, la journée sera bonne et même très bonne pour la drague, pour l'amour et, pourquoi pas, pour le mariage aussi. Argent. Cette fois, vous n'aurez rien d'une cigale imprévoyante. Mettre le maximum de chance de votre côté pour vous assurer un avenir à l'abri du besoin et une retraite prospère, telle serait votre préoccupation majeure. Vous aurez la possibilité d'effectuer des placements habiles, qui se révéleront profitables à long terme. Santé. Sous la houlette de l'astre Taifu, vous ferez preuve d'une belle endurance et d'une excellente résistance physique. En outre, bien que votre signe natal ne vous prédispose généralement pas à l'embonpoint, vous aurez peut-être envie de perdre quelques kilos. Dans ce cas, grâce à l'astre Mokduk maîtrise, vous n'aurez aucun mal à vous imposer une discipline stricte. Travail. Climat favorable pour vous sortir des problèmes professionnels dans lesquels vous êtes enlisé. À condition de bien vouloir utiliser vos capacités d'innovation et d'invention, une progression lente mais certaine vous est promise. Pour augmenter votre chance, refusez les idées toutes faites et faites confiance à votre imagination. Horoscope singe. Amour. L'environnement astral vous réserve des relations amoureuses faciles et harmonieuses. Votre pouvoir de séduction sera irrésistible, et vous évoluerez en plein bonheur avec un être qui vous convient à souhait. Une excellente journée pour resserrer vos liens conjugaux, ou pour vous engager définitivement, pour donner une belle réception à l'occasion de votre mariage, et pour partir heureux et comblé en voyage de noces à l'étranger comme il se doit. Argent. Si vous avez des ennuis d'argent, vous pourrez solliciter l'appui de certaines personnes de votre entourage. La planète Jiétan veillera à ce qu'elles acceptent sans hésiter de vous venir en aide. Santé. L'astronglouane bien aspecté vous donnera une énergie du tonnerre. Votre problème sera de chercher à bien canaliser cette énergie pour qu'elle ne se transforme pas en agressivité dévastatrice. Plongez-vous dans l'action, en vous disant que l'action n'apporte pas toujours le bonheur, mais il n'est pas de bonheur sans l'action. Et si vous ne savez vraiment pas quoi faire, alors partez vous défouler sur un terrain de sport. Travail. Vous saurez vous mettre en valeur et obtenir ainsi une proposition intéressante. Une promotion ou un avancement serait possible aujourd'hui. Vos atouts majeurs seront votre dynamisme et votre capacité de travail. Horoscope coq. Amour. Après les récentes frictions somme toute sans gravité, vous parviendrez à rétablir des rapports harmonieux avec votre conjoint ou partenaire en maîtrisant votre côté instinctif. Le soleil radieux reviendra dans votre ciel amoureux. Célibataire, cette journée semble tout à fait favorable à une rencontre haut de gamme. Vous aurez de fortes chances de croiser quelqu'un qui vous attirera irrésistiblement, avec qui vous expérimenterez une véritable passion sensuelle. Mieux encore, cette découverte de l'extase s'accompagnera de sentiments aussi enflammés. Argent. Avec la présente configuration de l'astre Kepsa, vous ferez de réels efforts pour gérer de façon raisonnable votre budget. Mais si vous ne prenez pas assez de précautions, vous pourriez craquer pour un achat inutile. Santé. Avec l'astre Van Xuang influençant votre signe, vous serez d'humeur moins changeante que dernièrement. Votre morale s'alignera sur votre forme, et vous avancerez à un rythme aussi soutenu que régulier. Si vous pensiez depuis longtemps à vous inscrire dans un club de sport, ce sera le moment. Travail. Dans votre travail, la journée sera globalement facile et agréable à vivre. Vous aurez sans doute beaucoup à faire, mais votre vitalité et votre ambition en hausse vous permettront de faire face sans fatigue. Vous aurez peut-être même droit à une petite gratification, félicitations de la hiérarchie, ou, pour quelques-uns, une prime ou une augmentation de salaire. Horoscope chien. Amour. Vie de couple sans notable problème, mais à condition de ne pas mêler trop de considérations pratiques à vos échanges. La planète de Vuong en superbe aspect sera favorable au renforcement des liens existants. Elle devrait aussi vous valoir des relations de couple très agréables. Célibataire, cette fois, vous vous accommoderez paisiblement de votre situation peu enviable de solitaire. Moins avide de rencontres, moins angoissé aussi, vous n'en serez que plus charmant. Et c'est bien au moment où vous vous y attendrez le moins que l'amour va vous tomber dessus. Argent. Vous n'êtes pas très préoccupé en ce moment par des problèmes d'argent. Efforcez-vous quand même de trouver les moyens d'en gagner davantage car l'argent, bien qu'il ne procure pas le bonheur, y contribue dans une très large mesure, car notre société actuelle est celle de consommation. Vous feriez probablement une bonne affaire en achetant une propriété sur les conseils d'un ami. Santé. Avec la présente ambiance astrale, vous aurez un tonus de tous les diables. En prime, vous serez un brin tyrannique avec votre entourage professionnel et familial. Tout devra se faire selon vos directives. Travail. Vos rapports avec vos collègues de travail ne seront pas de tout repos. Voilà qui pourrait avoir de fâcheuses répercussions sur votre travail. Arrangez-vous pour éviter au maximum les affrontements inutiles.
Horoscope cochon. Amour. Les folles histoires d'amour des autres, vous en délecterez, mais vous préférez la prudence en consolidant patiemment votre relation actuelle. En attendant, tout ira bien sur le plan sentimental ou conjugal. Cela ne vous empêchera pourtant pas d'être quelque peu nostalgique de temps en temps en pensant à une histoire ancienne. Argent. Vous devrez vous montrer d'une vigilance rigoureuse dans le domaine financier. Vous serez enclin à dépenser un peu trop. Faites preuve de volonté pour ne pas céder aux tentations. Ne rêvez pas, la chance ne sera pas dans votre camp ces temps-ci pour combler les trous. Ne jouez pas au jeu de hasard, car vous n'arriverez peut-être même pas à sauver votre mise. Santé. L'astre en Kang, principe de vitalité, en bonne position, vous conseillera de vous lancer dans la pratique d'un sport de plein air, marche, course à pied, vélo. Associé à des heures de sommeil régulières et à une alimentation équilibrée, cet effort physique intensif sera également bon pour le moral. D'autre part, ne cherchez pas à vous projeter trop loin dans l'avenir. Vivez plutôt le présent, intensément. Travail. Les astres Lune et Oa qui s'uniront pour soutenir vos entreprises et veiller sur votre avancement. Si on vous propose de suivre une formation, acceptez sans hésiter. Une promotion pourra en découler.